On se retrouve pour la présentation de la deuxième partie du DLC qui est arrivé aujourd'hui, donc mardi 7 juin. Donc voilà le véhicule que j'ai commandé, que je vous ai montré un peu sur la première partie des véhicules. Donc ça ressemble à vraiment un petit van, c'est vraiment assez fun. On va aller voir pour le custom. Je l'ai pris couleur noire, donc ça s'appelle. Ah, je peux pas voir le nom comme ça, c'est dommage. Donc ça ressemble à. Ça s'appelle Bravodo. Alors, je suis vraiment pas trop fort, j'ai pas le temps de voir, c'est pas grave. C'est un petit véhicule, donc voilà, on se retrouve pour le deuxième véhicule, présentation du DLC. Donc je vais vous présenter, on va aller voir les vêtements, on va aller voir les masques, s'il a des nouveaux masques, tatouages, armes, et en même temps on va aller voir aussi pour les coiffures, pourquoi pas. Donc c'est parti, si j'ai oublié des petites choses, des petits détails, bah dites-moi le en commentaire. J'essaie de faire mon mieux pour vous présenter au moins le DLC. Donc voilà, j'espère que je vous présente très bien. Donc c'est parti les amis, on va aller au Lost Custom, désolé, oh j'ai du mal. Hop là, allez dégage putain. Désolé, j'ai un truc de Windows 10 qui s'est installé sur le PC que j'en veux même pas, donc je veux pas y le faire. Donc on va réparer, on va aller voir pour le custom, mais je m'en fous, voilà. Désolé, hop, on va aller regarder un peu. Frein, moteur, échappement, klaxon, éclairage. On peut mettre des néons, ok. Peinture, il oh, n'y a pas vraiment. Il est bien ce véhicule, mais il n'est pas vraiment efficace, on va dire. Moteur, on va le blinder un peu. Non, klaxon ça me sert à rien, on va regarder s'il n'y a pas de nouveau. Pendant que camion les flics, morceau, long, éclairage, frein. Alors, il n'y a pas vraiment grand chose sur le véhicule là. C'est un peu dommage, suspension. Alors, on voit pas la différence quand il descend en fait. Hein. Pas vraiment. Transmission, turbo, roue. Bien. Voilà, c'est vraiment assez, un véhicule assez fun, tout terrain, on va dire. C'est un véhicule tout terrain, donc ça peut être vraiment pas mal. Moi, je veux le garder, ce véhicule. Pourquoi? Ça va vraiment servir si on fait des vidéos ou si voilà, faire des petites balades au Mont Chiliad ou je sais pas. Il est vraiment assez fun, par contre, il accélère beaucoup. Ok, récupère ce véhicule. Non, je m'en fous. Et on va aller faire un petit tour au magasin de vêtements qui est juste à côté. Donc voilà, c'est vraiment un véhicule assez fun. Ouais. Et du coup, comme je l'ai custom, du coup, il roule super vite. Ça change que quand je l'ai eu, je le vois vraiment. Donc on va aller faire un petit tour au magasin de coiffe. Hop là. On s'arrête. Après, on va aller. Je vais faire une petite coupure entre deux, les amis, pour éviter que ça soit trop long quand je vais aller au magasin de masques et tout. Sur la plage, donc pour éviter que ce soit une vidéo trop longue et galère. Donc il n'y a pas de nouvelle coupe. C'est un peu dommage, il n'y a pas de nouvelle coupe. Donc ça se voit, il n'y a pas d'étoile, donc ça sert à rien de rester. Hop, on repart. Il n'y aura plus à avoir de nouvelles coiffures. Des masques, je pense vraiment pas qu'il y en a des nouveaux. Donc je me tâte à y aller ou pas. Je réfléchis en fait. Je suis garé un peu comme une coche, je sais. C'est bien, en plus on a des roues de secours sur le toit et sur le côté. Derrière plutôt. Donc voilà, c'est vraiment assez fun ce véhicule. J'aime bien. Hop, on va se garer là, tac, on court. Donc je sais pas si ça vaut vraiment le coup aller voir les masques, mais on va aller voir quand même, ça peut servir. Merde, je voulais pas aller là, hop là, on va aller là voir la dame. Ça va plus vite parce que des fois c'est rangé par. Et non, pas des lunettes, je m'en fous les lunettes. Voilà. Mais de nouveau tenue, je pense. Voilà. Donc, comme ça, donc tenue. La première tenue, la deuxième. En fait, c'est toujours le même logo en fait. Voilà, c'est pas. Ah là voilà, ça change haute finance. Donc voilà, là on arrive dans les tenues un peu chic. Ah j'adore le petit manteau comme ça. Golfeur. Donc genre militaire, je sais pas. Ça fait un peu. Ça fait un peu. Voilà, j'ai pas le dire le mot, mais voilà. Souffle. Ok. Dragon. Chinois genre. C'est vraiment. Ouais, ça fait un peu genre militaire cela. Ça fait genre le mec qui se pompe dans le désert, ou je sais pas. Bon, ça c'est cowboy. Le cowboy. Ok.
Distributeur de macarons. Ça fait voilà, c'est des tenues un peu chic, je vais pas lire tout. Ouais. Ok. Il y en a un qui m'a bien plu, c'est le manteau là. Mais j'aime pas la tenue en frais. On va aller voir dans le manteau si tout seul. Parce que juste cette tenue-là me plaît. Voilà, bah oui, il y a des nouveaux. On va pas les trouver, il y a des nouveaux manteaux. Désolé. Ah, où l'étoile? Ok, je sais pas. Bah là, on peut pas les voir, ok, c'est bien. Voilà les nouveaux manteaux. Il y a des petites étoiles, là il y a plus rien. Ah, ça c'est classe les manteaux comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais après c'est les vestes chinois et tout. Ah, il y en a d'autres en bas, ok. Après, on va les voir vraiment, on regarde vraiment tout. Veste, ça c'est des vestes, survêtements, tout, jogging, c'est les vestes de jogging. Elles sont pas vraiment fameux, j'aime pas trop. Ça c'est les manteaux longs, voilà. Vêtements de décontracté. Pyjama, le pyjama comme ça il est vraiment stylé. En plus ils sont gratuits, vous avez vu, ils sont tous les deux gratuits. Le vert là, les deux verts ils sont gratuits. Donc ça c'est pas une prise de tête. T-shirt, on doit avoir des nouveaux t-shirts je pense. Je vais prendre par le bas comme ça on peut voir s'il y a une étoile. C'est mieux. Après c'est peut-être moi qui a pas débloqué tous les t-shirts. Là, si, non. Après c'est peut-être moi avec les nouveaux avec le level que je suis où je suis, c'est peut-être moi qui a débloqué le t-shirt. Hein. Je pense, après je sais pas. Non, je pense pas, il y a rien. Non, c'est peut-être un bug, je sais pas. Bah là, c'est pareil, ça met une étoile, mais il y a rien. Là, c'est pareil, ça met une étoile, mais il y a rien. Alors, je regarde vraiment vite fait, mais parce que ça met des étoiles, mais en fait, on a rien. Ah, là, oui. Ça, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, caisse. Ah, il y a des vêtements, ça met des étoiles, mais en fait, on ne voit que. Donc ça c'est les polos. Polo à l'intérieur, rentré dans le pantalon. Mode de sport. C'est lequel? Ah d'accord, c'est celui-là. Gilet. Ah, c'est vraiment assez cool quand même. Il y a des vêtements que j'adore, mais il y a d'autres que j'aime pas du tout. Emblème du crew. Ok, veste de costume. Alors, je vais prendre celui-là que j'ai pris tout à l'heure. J'ai vu tout à l'heure qui était vraiment pas mal. Ah là, on va le prendre couleur. Noir. Voilà. Et on va aller voir vite fait. Ça va être une vidéo qui va être dure, qui va être longue, bien sûr. C'est normal. Il faut découvrir. Hein. On va pas aller trop vite non plus. Je vais pas faire le. Ah, de voilà. On a des nouvelles chaussures, des bottes. Ça fait un peu bizarre. C'est plutôt truc de cowboy. Donc c'est mieux s'habiller en mode cowboy pour mettre ça. Voilà. J'ai pas mettre ça. Ça fait un peu bizarre. Donc voilà. Après c'est des chaussures normales. Ah, je pense qu'on en a encore des bottes. Donc les nouvelles bottes sont en haut. Ah là, bottes de cowboy. Donc voilà, il y a des bottes de cowboy. Donc là, bottes de cowboy. Donc voilà, je vous montre un peu plus. Chaussures de marche, bah ça doit être bon. On a marcassin. Il y a ceux-là. Ceux-là. Et ceux-là. Et chaussures chic. On va les prendre par en bas comme je fais d'habitude. Tac. Rien, oui, il y a une étoile, on va le prendre, tac. On est dans les 40, 30. En fait, quand on voit l'étoile, c'est plus facile parce qu'on peut s'arrêter. Il y a peut-être pas. Ah, si là, chic. Ah, je pense qu'il y avait ça. Ok. Et on va aller voir aussi les. Bah, tiens, attendez. Les bonnies. Après, c'est peut-être moi qui les ai débloqués. Hein. Casquette noire, donc non, on a une nouvelle casquette, voilà. Des nouvelles casquettes, j'ai rien dit. Casquette plat. Ouais. Ok. Là, j'ai pas été voir. Ah, ouais, d'accord. On a un casque. On a un nouveau, je pense. Non, c'est moi. Non, c'était moi. En fait, je découvre des choses en même temps, mais ça sert à rien. Hop, casque. Voilà. Donc, deux nouvelles casquettes ici et les autres qu'on a vu un peu plus haut. Voilà, je fais. Tac, tac, tac. Les pantalons, on va le faire vraiment vite fait.
comme j'ai vu, il y a pas mal de nouvelles choses. On va les faire vraiment vite fait. Bon, ça voilà, c'est des trucs de sport. Ça, c'est des pantalons genre militaires et tout. Voilà. Ah, celui-là, il est assez cher quand même. Non, ils sont abusés quand même, c'est vraiment assez cher. Donc, voilà. On a été ici, on va aller au magasin de d'armes. Et je pense que bah, je vais pas aller au magasin de tatouage ni ni de masque. Je sais pas en fait, je suis en train de réfléchir. Mais si j'y vais, je fais une coupure. Peut-être je vais y aller pour rien, on sait jamais. Mais ça peut, on peut avoir des nouvelles choses. On va aller voir les armes, c'est plus important, je pense. Les armes, hop là, hop. Donc c'est vraiment un véhicule assez haut quand même. Le mec a du mal, le mec a du mal à monter dessus. Hop, on va regarder les gilets pare-balles. Tac, tac, mais y'a rien. Après, moi j'étais pas débloqué. Ah, si, on a des promotions sur les gilets pare-balles, les amis. Regardez, promotion. Désolé. Donc, on a des promotions sur les gilets pare-balles. On va aller voir les armes. Ici, y a pas grand chose. La lampe, on l'avait déjà à la matraque. Bon, y a rien. Tac, tac. Promotion aussi sur les armes. Sur celle-là. Donc, je regarde un peu. Ça va être plutôt par là. Ah, je pense pas qu'on a des nouvelles armes. Non, c'est là, j'ai. Ah, on n'a pas de nouvelles armes. Est-ce que ça va arriver après? Je ne sais pas. C'est bizarre parce que là, regardez, ça fait vide. Il y a de la place pour mettre des armes. Donc, c'est un peu dommage. Ici, ben, on n'a pas grand-chose. Si vous savez si on va avoir des armes après par la suite, bah, dites-moi le en commentaire. Bien, j'ai acheté un parachute quelconque. Donc voilà, c'est des promotions. Bah non, je pense que ça n'a pas changé. C'est un peu dommage, on n'a pas des... Je suis un peu déçu, il n'y a pas de nouvelles armes. J'allais voir un peu dans l'inventaire s'il n'y a pas des nouvelles choses. Protection, accessoires... Bah non, ça c'est du tout nul tout. Bah, je vais faire une petite coupure, puis on va se retrouver direction le masque, les magasins de masque et magasin de tatouage. Donc, à tout de suite. Donc, on arrive au magasin de tatouage et après on ira finir au magasin de masque, on sait jamais. Donc, écoutez, en fait, il y a un nouveau klaxon. Un peu assez pourri sur le véhicule là, je l'ai pas changé en fait, je l'ai laissé comme ça, donc c'est un peu assez pourri. On va aller voir lui pour les tatouages. Ah, je sais pas si celui-là il était déjà ou pas. Donc voilà, il n'y a pas grand chose. Tac, ça a été vite. Mais je préfère aller faire un petit tour pour éviter d'oublier des choses. Même si ça sert à rien, même si on y va pour rien. Mais je préfère y aller quand même. Allume tes phares, merci. Même si on y va pour rien, c'est sûr, on y va pour rien. Mais je préfère les faire. Même si la vidéo est sur longtemps, c'est pas grave. Au moins, comme ça, on est tranquille. Si j'ai oublié des petites choses, bah dites-moi le en commentaire, ça me fera super plaisir. J'ai fait écraser le monsieur. Hop là. Merde, pourquoi il saute par là, lui, il est con. Là, tu veux m'attaquer. Lâche-moi, je te sors mon arme. Et en casque, masque, y'a rien. Donc voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de laisser un petit j'aime. Moi, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Et ciao, bye bye. Peace tout le monde, salut.